Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Matt, bonsoir. Salut Johan. Bonsoir Catherine. Alors on ne sait pas pourquoi, mais le chat remarche sur YouTube. Paco, Alice, Mawel, bonsoir, Maria, Jessica, Marise. Merci de vous connecter. Il y a compète ce soir avec le retour du soleil. Johanna, bonsoir, Cécile, Liliane, Marie, John, Caroline, Nice, Sylvia, Laura, Sylvie. Bonsoir, Claudine. Martine, Martine, Christiane, Laure, Anne. Pardon, Adrien, Nadège, Béa, Cécile, Marlène, Laurence, Claire. Il y en a qui trichent, il y en a qui sont sur les deux à la fois. Katia, bonsoir. Coco, bonsoir. Bon, bah, autant vous dire que je suis content de vous retrouver en plus avec cette belle luminosité. C'est cool, ça fait du bien. Ça apporte un regain d'énergie supplémentaire. Donc, sachant que la séance de ce soir, elle va être très sympa. Avec le soleil, ça va être très, très sympa. Bruno. Bonsoir Bruno. Marlène, bonsoir. Sophie, bonsoir. Sandra, bonsoir. Nativité, bonsoir Anne-Claire, Anne-Marie. Salut Olivier. Allez, 17h57, Valérie. Oh, le gars qui s'emballe un peu, je vous dis que la séance de ce soir, elle va être sympa. Elle va être sympa juste pour moi parce que j'ai pris plaisir à la préparer, mais ça se trouve, vous, de l'autre côté, vous allez faire, mais. Horreur. Mario, bonsoir. Muriel, bonsoir. Bon, on a fait pire. Hein. Ce soir, on va être sur un travail d'alternance cardio-abdo, mais on a fait pire en termes d'intensité. Maria, coucou. Ingrid, ça va. Boken, Stéphanie, Sandra. Je ne donne pas le bon ordre, mais bon. Ingrid, salut Serge, Jean-Marc, Blaise. C'est cool d'être là. Allez, juste pour prévenir. Donc, ce soir, on va faire une grosse partie cardio pour monter un peu en intensité avec évidemment. L'objectif de chuter quelques calories au passage, toujours avec les options évidemment si vous ne voulez pas monter trop trop dans l'intensité. Ensuite, première partie, les abdos, la taille debout. Ensuite, deuxième partie, cardio avec un travail cette fois beaucoup plus des abdos en gainage, mais avec une option pour ceux qui ne peuvent pas être en appui sur les poignets ou sur les avant-bras. De nouveau cardio et une troisième partie qui se fera au sol abdos traditionnels. Voilà, un peu le programme de ce soir. Comme d'habitude, pensez à vous dégager un petit espace pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Dixit, un coach qui n'arrête pas de le faire. Claude, bonsoir. Maria, Laetitia. Je vois des cœurs partout. Donc, on est vraiment sur l'objectif. Hein. C'est vraiment restructurer. J'ai choisi de faire un total body à peu près par semaine pour travailler l'ensemble du corps et après de faire vraiment des zones cibles, c'est-à-dire faire le cardio effectivement pour shooter quelque peu les calories et puis vraiment essayer de thématiser au maximum sur une région du corps. Donc là, ce soir, c'est les abdos. Mercredi soir, ça sera les fessiers. Vendredi soir, comme c'est un booster, c'est beaucoup plus cardio. Et puis samedi, justement, un fitness class pour travailler un petit peu de l'ensemble. Donc voilà un peu l'objectif. Et puis dimanche matin, notre live avec Karine pour la diététique. Alors n'hésitez pas à me poser des questions, à nous poser des questions d'ailleurs. Enfin, c'est même plus à Karine que vous allez les poser qu'à moi, mais n'hésitez pas si vous avez des questions précises. On tentera d'y répondre. Qui n'ai-je pas si lui saluer? Monsieur Jérémy Brisson. Bonsoir, monsieur Jérémy. Célia, bonsoir. Anne, Camille, Brigitte, Maëlle, Béa, Sylvie, Hélène, Karine. Sébastien, retour de Sébastien. Ça fait plaisir de te voir, Sébastien. Très content de te voir. Ginette, bonsoir. Charlène, bonsoir. Une petite pensée pour Martine qui m'a envoyé un message tout à l'heure et qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir. Martine, pensée pour toi. Sarah, Anne-Marie, je pense que les 18h ne sont plus très loin. Et Sébastien, je ne sais pas si tu lis sur mes lèvres parce que Sébastien ne peut pas entendre. Malheureusement, ce message, il est pour toi. Ça... Esther, Nathalie, bonsoir Cathy. Karine, coucou. Je crois qu'il est 18h. Alors attendez, attendez. Là, j'ai mis de la crème sur mes mains pour vraiment essayer d'être présentable ce soir. Donc ce check-là,
Il était inévitable. Allez, c'est parti. On va essayer de se mettre à bonne distance. On va partir avec les jambes écartées. Ouvrez. La cage thoracique, serrez les os et c'est parti. On engage avec des cercles au niveau des épaules. Alors, il est fort probable. Fort probable. Je me tâte encore un peu. Mais à partir de la semaine prochaine, je vous propose une séance de fitness comme je ne les aime pas. Je vous expliquerai pourquoi. Mais j'en ai jamais fait en un an et quelques mois que l'on travaille ensemble. Mais j'essaie peut-être d'en faire une fois. Parce qu'on m'a quand même titillé en me disant « Mais pourquoi tu ne fais jamais des fitness comme des séances de fitness comme ça ?» Pour plein de raisons. Mais peut-être qu'exceptionnellement, j'en ferai une la semaine prochaine. Je vous raconterai tout. Allez, on va monter le bras droit. On inspire. On redescend, on souffle. Inspirez. Et expirez. Si ça se trouve, c'est la séance qui va vous plaire le plus. Ça serait la misère pour moi. Allez, je prends bien le temps d'inspirer, de souffler sur le bras suivant. Parfait. Encore deux allers-retours. Une dernière. Et on revient. Placez les deux bras devant. Vous allez tirer le coude gauche en arrière. Tournez bien les épaules, mais stabilisez votre bassin en axe. Et sentez que le travail se fait par la contraction des abdos. On revient et on switch. On inspire, on souffle. Encore deux. Et parfait. Vous restez exactement dans la même position, sauf que cette fois, vous allez faire descendre votre bras, peu importe lequel, sur le bas et sur l'arrière. Vous tournez bien les épaules, le bras revient. Et de la même façon, vous faites la rotation de l'autre côté. Allez, j'inspire, je reviens, j'expire. Je switch, j'inspire et je reviens, je souffle. Parfait, encore deux fois. Alors, ne lancez pas le bras, hein. Soyez dans l'accompagnement du geste. Prenez le temps de bien sentir le travail des abdos. Et à partir de là, vous allez accrocher les mains devant vous, vous allez monter les bras au-dessus de la tête et vous allez venir en rotation avec vos épaules, et toujours pas avec votre bassin, en mettant un coup à droite et un coup à gauche. Allez. Un coup de poing, on se demande, mais on pourrait sonner des cloches, on pourrait s'imaginer en mode bûcheron. Faites bien tourner les épaules, hein, et sentez encore une fois que si les épaules tournent, ce n'est que par l'engagement de vos abdos. Allez, 4, 3, encore 2. Parfait, la prochaine, les nerfs croisés modérément derrière. Donc, le bras et la jambe partent dans la même direction. On inspire, on souffle. On va faire participer un peu membre supérieur, membre inférieur. Encore deux. Une droite, une à gauche. Très bien. Ensuite, vous revenez ici. Si avec les bras, c'est trop compliqué, vous mettez les mains au niveau des hanches. Si vous pouvez, vous montez, vous descendez bien avec les jambes. Attention à ne pas tomber dans le piège de se pencher en avant. Le buste reste droit. On descend, on monte, on inspire. Et on redescend, on expire. Alors même si ça ne paraît pas, ça reste un échauffement. Allez, 3. La dernière. Parfait. On revient à nouveau sur le petit pas croisé, sauf que cette fois, au lieu de faire travailler les bras en extension, vous allez partir en pliant les bras. Voilà. Essayez de dégager un peu plus la jambe vers l'arrière. Sollicitez bien les fessiers. Toujours même consigne au niveau du bassin. Le bassin, lui, reste le plus possible dans l'axe. Et encore une fois, c'est la contraction des abdos qui permet d'avoir le bon geste. Allez, 4, 3, 2, parfait. On revient. Soit on croise devant ici, si vous démarrez, soit vous mettez un petit peu plus en actif. On lâche les bras, la tête, les épaules. Expirez bien. Alors, l'exercice qui vient permet vraiment d'échauffer tout ce qui est corso fémoral. L'idée, c'est de le faire encore une fois à votre rythme, avec vos amplitudes. Genou droit, genou gauche, intérieur du pied droit, intérieur du pied gauche, talon droit, talon gauche. On pouvait le faire plus lent, en misant sur la posture du buste, en travaillant bien sur les axes de rotation. Ça stimule les intérieurs des cuisses, et là, on est plutôt sur l'arrière des cuisses.
flexion, hop, intérieur, intérieur, ou alors si vous êtes à l'aise, toujours en ayant un bon galbe, on peut y mettre un petit peu plus de fréquence à condition de ne pas lancer les segments, c'est-à-dire ne faites pas ça, 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 là il y a zéro contraction musculaire. Si c'est tonique, ça reste contrôlé néanmoins. Soufflez bien, je veux bien qu'on en fasse encore 3 en circuit complet. Et ça paraît pas ce genre d'exercice, hein. Mais si vous courez, si vous n'avez pas trop d'espace des fois pour vous échauffer, c'est le genre d'exercice qui permet de bien mobiliser les membres inférieurs, donc ça c'est bien, et puis surtout vous stimulez différents muscles. Allez, soit on revient ici et on croise, soit à nouveau on se remet en petit mouvement. C'est cool! Expirez encore un peu. Je parlais d'intensité. On va faire juste un focus sur les genoux, soit vous le faites en marchant, mais encore une fois en essayant d'adopter une bonne posture et en renvoyant vers le haut, soit avec un petit sursaut. Allez. Voilà, essayez de sentir au niveau de l'appui sur le sol, vous êtes bien. On est capable de relancer l'énergie vers le haut. Et puis on continue toujours en marchant, mais toujours avec le même focus sur l'intérieur cette fois, ou avec un petit sursaut. Et là, sentez, vous commencez déjà à mettre 2-3 crampes plus au niveau de la ceinture. Le dos, vous ne l'avez pas relâché. Parfait, on transforme, soit en marchant là, soit un petit sursaut. Là, qui vont bien, on pourrait peut-être l'accélérer un peu, oui, c'est possible. Là, je mise bien sur la contraction des ischios, ce que vous ne pourrez pas faire si vous l'accélérez vraiment, ça ne sera pas la même façon, mais vous pouvez également le faire comme ça. Mais là, je mise plutôt sur le ressenti pour l'arrière des cuisses. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Allez, check, je vous invite à vous hydrater un tout petit peu. Je ne sais pas, 14 juillet, mais on en prend le chemin. Ça va être tout feu tout flamme. Hein. Allez, on a la sortie d'échauffement, mais on n'est pas complètement dans la séance. Je vous propose, niveau 2, niveau 3, de démarrer sur l'exercice option 1. Un dégagé à droite, ensuite vous faites ce que l'on appelle un V-step. Deux pas en avançant, et vous reculez comme si vous formiez un V. Et on refait le dégagé de l'autre côté. V, hop, dégage. Le dégagé, c'est ça, hein. C'est pas dégage, c'est dégage. Encore. Allez, soufflez bien. Parfait. On continue, le même travail, mais vous descendez un peu plus dans les cuisses. Ça fait un peu rencontre du troisième type pour ceux qui ont éventuellement vu le film il y a 55 ans. À 55 ans, j'avais 20 ans. Ouais, c'est à peu près ça. On est bien. Faites du sport, ça conserve. Dégagez tranquillou. Allez. La même, on se refait ça une dernière fois de chaque côté si vous le pouvez. Et on revient à nouveau. Soit vous repartez sur le petit pas croisé ici, soit à nouveau en petit sursaut. Alors on va faire exactement le même exercice, mais on va passer le cap niveau 2 et niveau 3. Au lieu de faire un dégagé, vous faites un squat sur le côté. Et à la place du V-step, vous faites un jumping jack. Ce qui fait squat, jumping jack, squat de l'autre côté et jumping jack, flexion et jack. Ça c'est niveau 2. Le niveau 3, vous l'avez compris, il n'y a que du jump, donc c'est squat propulsion, jack avec les bras, squat avec les bras en bas. Hop, squat, on écarte, on resserre, jack, on resserre, squat de l'autre côté et les bras. Ready? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 10 ou 20 fois. Ça va bien les abdos. Voilà. Il s'emballe le coach. Ça file 10. Allez, je descends bien. Quinzième. Ça m'évitera de penser à autre chose.
17. Avant-dernier. Parfait. Et on récupère. Top. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est du pas chassé. En descendant bien dans les cuisses, version 1, pas d'impact. Pour ceux qui ne veulent pas perdre de poids, on reste bien dans les jambes. Hop, on fléchit bien. On essaie néanmoins de rendre un geste athlétique. Je fléchis pour relancer l'énergie en repartant de et en changeant de direction. Option 2, très très cool. Parfait. Allez, soufflez. Option 2 plus, en descendant peut-être un peu plus avant au sol. Attention à faire le travail par les jambes et non pas par le dos. La version 3, c'est la même, sauf qu'on y ajoute une dimension de déplacement. Et dans ce cas-là, vous faites un arc de cercle. Allez, attention à ne pas tomber. Allez, faites-moi un U. Accrochez-vous bien. Dernière fois. Parfait, on revient. Petit sursaut ou le petit pas de récupération. Expirez. On refait la même. Le squat, les jacks, le squat ou le dégagé avec le V-step. 3, 2, 1, go. C'est mieux quand tu te concentres, coach. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là. Je rappelle, hein, l'option cool, elle est là. Je dégage les V. Choisissez votre option à vous. Encore 4. Évidemment, on ne tape pas le sol. Hein. Et c'est reparti. Hop, le U. Vous pouvez travailler plus ou moins sur la profondeur. Là, je suis un peu limite avec le tapis, mais si vous avez un peu de recul, n'hésitez pas à amplifier un petit peu. Voilà, contournez l'obstacle, regardez-le bien. Vous pouvez vous arrêter là. Et si vous pouvez, on continue encore un peu. Qu'est-ce que tu fais comme sport, toi? Écoute, moi je tourne en rond dans mon salon, ça me va bien. Je gagne du temps. Je suis à l'aise. Allez, encore deux. Dernière fois. Cool. Petit pas de récupération. Ou à nouveau les petits sursauts. Allons-y. Oh, c'est bon. Quand c'est bon, c'est bon. Expirez bien. La suite, on la fera en deux parties. Là, on va la faire en 4, 4. 4 dégagés. 1, 2, 3, 4. 4 genoux alternés. On soigne la posture. Et on repart. 4 dégagés. Hop, hop, hop. Et genoux. Parfait. Niveau 2, dégagé. Vous allez voir, vous allez pouvoir composer un peu comme vous le souhaitez. Genoux avec plus de bras ou avec petit sursaut. Et dégage. Pareil, avec le sursaut. Là, on est plutôt en version 2. Version 3, c'est jack. 1, 2, 3, 4, 4 genoux. Et on repart sur les jacks. Go. 1, 2, 3, 4. Continuez, je reviens sur l'option 1. Choisissez votre option 1. Mais 4 dégagés, on est dans le même décompte. 4 genoux. Soufflez bien, relâchez les tensions. Niveau 2, sursaut. Avec ou sans les bras, avec ou sans sursaut. Niveau 3, jack. Allez, grandissez-vous. Utilisez les fessiers là. Encore. Allez, encore deux fois. Allez, je sens que je maîtrise mes appuis. S'il y avait une piste d'athlétisme sous les pieds là, je maîtrise mes appuis, ma foulée, mon amplitude et on récupère. Parfait. Et dernière séquence. Pour la partie cardio, on appuie sur le pied droit. Vous dégagez bien le pied gauche d'ailleurs. C'est un dégagé, hein, c'est pas une fente. On dégage, bassin épaules en l'axe, abdos serrés. Je monte genou,
1, 2, 3, je change de côté et je dégage. 1, 2, 3, et le dégager. Parfait. Niveau 2, fente, genou, hop, 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 en rythme, fente, hop, hop, hop. Niveau 3, propulsion et genou, fente, propulsion, pam, pam, pam. Oh, j'adore ce concept. Une séance unique pour tout le monde, mais partagée quelle que soit l'option. Et surtout cet esprit. T'es au niveau 1, et alors, on fait équipe. T'es au niveau 2, c'est cool. T'es au niveau 3, tu te la pètes un peu, mais c'est cool, t'es là. Qui se la pète? Personne se la raconte. On est juste là, en mode avec nos capacités, nos forces, notre partage. Ouh, c'est bon tout ça. Allez, vous avez le droit de revenir sur une option plus cool. Vous avez le droit de briquer maintenant. Ou vous avez le droit de poursuivre encore un peu. Allez, je compresse, boum, je relâche. Allez, encore un aller-retour. Dernière fois. Et on récupère un peu, 10 secondes. Soufflez. Rappelez-vous, squat, jack ou dégagez, V-step. 5, 4, 3, 2, 1, go. Amortissez par les cuissons. Ne venez pas taper le sol là. On amortit. Ça fait 10, les amis. Vous pouvez vous arrêter. Allez, 6. Encore 4. Des fois, je m'embrouille. Avant-dernier. Et le U. Next. C'est reparti. Go. Je rappelle, hein, je ne veux pas perdre de poids, je suis là. J'essaie de contenir mon équilibre, je fais un travail de vraiment de flexion-extension, je pose. J'ai pas beaucoup de place, j'ai réduit mon espace, mais je peux y mettre un peu de fréquence. Et j'ai un peu plus d'espace, alors on va chercher plus devant. Ceux qui doivent breaker, c'est le moment. Anticipez la suite encore une fois. Il y a ce que vous vivez à l'instant présent, et dans la perception. Et il y a un temps d'avance sur la séquence à venir. Encore 4. Allez, la séquence après, c'est quoi? Dégagez, genoux, 4-4. Tout jack et genoux. 3, 2, 1, go. Allez, je sais que vous êtes là. Je sais que ça bosse. Ouvrez bien les genoux, c'est important. Toujours avec les fesses vers l'arrière. Trajectoire, comme si on allait s'asseoir. Ça et pas ça. Ici. 3, 4. Prolongez l'expiration. Encore. Pour ceux qui veulent récupérer, c'est à la fin de celle-ci. Maintenant. Pour les autres, 4. Je fais l'effort de descendre les jambes. 3 fois. Deux fois, les amis. N'oubliez pas qu'il y a la séquence derrière. Dernière fois. La fin de propulsion. Et les genoux. 4, 3, 2, 1. C'est parti, fente. Hop. Ou simplement. Dégager et marche. Et là, c'est un travail de gainage. Je dégage. Propre. Le cardio, il ne doit pas monter là. Pour ceux qui n'ont pas de poids à perdre, focus sur la posture, focus sur l'engagement, focus sur la force. Contrôle. Ici. Pour ceux qui le peuvent, effectivement, fente.
petit déplacement ou propulsion. Et là, pareil, posez-vous plusieurs questions. La posture du dos, engagement abdos, périnée, stabilisation par le fessier. Et au niveau des jambes, là, ici, je dégage, hop, tout de suite, propulsion. Parfait, pour ceux qui peuvent s'arrêter, c'est maintenant. Allez, encore trois allers-retours pour ceux qui le peuvent. J'ai un petit manque d'espace. Hein. Dernier aller-retour. Allez, je sais que vous êtes là. Parfait, on récupère un peu. On souffle. Good. On va pas voir tout de suite, on fait la séquence abdos, taille, debout et après on fait un temps mort. Soit je récupère là, soit petit sursaut. Et profitez-en pour bien souffler. Alors, là encore, même exercice, c'est juste le rythme. Placez-vous sur jambe gauche, le genou à l'aplomb du pied et l'orientation de votre pied légèrement vers l'extérieur. Pas de face, extérieur. Même chose pour les épaules. Double action, le genou monte. C'est pas le genou qui monte. Ça, je monte le genou, il se passe rien. Ici, je sens que c'est compact. Je viens placer les bras au-dessus, en dessous. Et ensuite, le genou, il monte à côté. Donc, je suis bien à l'appui. Et c'est coude, genou. Encore une fois, travail de taille. Version soft. Version un peu plus tonique. Du moment où vous sentez que ce sont vos abdos, et seulement vos abdos qui font le travail, alors on est bien. Pour ceux qui doivent breaker, c'est maintenant. Allez, dans tous les cas, sentez que c'est le genou qui monte. Jamais les épaules qui descendent. Ni là, ni là. Et dernière fois, vous avez le dos sensible. Mettez-vous là. Rotation droite-gauche avec les coudes. C'est les coudes qui partent en rotation. Et ça vient des abdos. Vous n'avez pas de problème de dos. Jambes parallèles, vous descendez la main gauche au sol. Vous placez votre bras droit au-dessus de la tête. On descend et ici, en travaillant ici. La contraction musculaire, on remonte en soufflant. Allez. Gardez bien le bras à la verticale. Hein. Ça ajoute une contrainte. Hein. Ça fait 10. Vous pouvez faire un break là. Vous pouvez aussi revenir sur l'option un peu plus soft. C'est vous le pilote, c'est vous qui prenez les commandes, c'est vous qui gérez. Allez, trois fois. Deux fois, attention. On switch la position du pied droit, orientation des épaules, et c'est reparti. Un bras au-dessus, un bras en dessous, élévation côté go. Ceux qui doivent s'arrêter, c'est maintenant. Trois. Deux. Parfait. Soit les bras en croix ici, vous repartez en rotation. Soit le bras gauche, on descend et on monte. Allez. Vous n'êtes pas obligé non plus de descendre trop bas. Vous pouvez vous arrêter au niveau du genou. J'ai presque envie de dire la contrainte de maintenir son bras là-haut. Et de le garder dans la verticalité, c'est déjà un objectif de travail. Allez, ça fait 10. Vous pouvez soit transformer, soit breaker, soit prolonger. Allez, c'est là, c'est des exercices pas trop complexes, hein, pas trop intenses. Mais on peut vite perdre sa concentration là-dessus. Remettez tout de suite une bonne conscience. Dans l'exécution et surtout dans le ressenti musculaire, celui que vous déployez. Deux fois, une fois, cool, on revient, corde à sauter,
version soft, version un peu plus hard. J'active, j'active, j'active. On expire bien. Allez, active bien les bras. Prenez juste le temps d'inspirer une fois. 5, 4, 3, 2, on descend, on stabilise le bassin, droite, gauche. Alors je redis souvent les mêmes choses. Je suis désolé pour ceux qui sont là hyper régulièrement. Ça doit être pénible d'entendre les mêmes choses, mais essayez de sentir que c'est jamais les bras que vous lancez. C'est ici. La seule force qui nous intéresse, c'est là. Ici, ça vous donne un levier. Le fait qu'il y ait un levier, quand vous arrivez en fin de parcours, il y a une inertie qui se crée. Vous êtes obligé de freiner. Et vous allez freiner par vos abdos. Donc c'est là l'intérêt du travail. Allez. Cadence, cadence, cadence. Sortez la poitrine, sortez les pecs, relâchez les épaules. Vous commencez à sentir le travail. Alors permettez-vous de mettre un cran plus à la ceinture. Et vous allez voir que ça va tonifier les bras, alors que même ce n'est pas les bras qu'on va bouger. Ce sont les abdos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous remontez les bras et vous refaites ce que l'on a fait à l'échauffement. En haut, croisé derrière. En haut, croisé derrière. Là encore, c'est que ça qui nous intéresse. Version un peu plus cardio. Petit sursaut. Version, je ne veux pas perdre de poids. Alors, j'ai un peu plus de temps que les autres. Et j'en profite. Vous êtes le pilote. Hein. On ne va pas tous dans la même destination. Mais on prend tous l'avion. En tout cas, ce soir. Allez. Vous pouvez vous arrêter là. On se remet en mode corde à sauter, soft ou en dynamique. On souffle. Allez, expirez bien. Allez, tenez bon les amis, tenez bon. Expire au maximum, refait la phase cardio du début et après on fait le temps mort pour aller mort. Donc le side, V-step ou jack avec la transition squat. 3, 2, 1, go. Bien sûr, je ne peux pas faire une séance sans stimuler les cuisses, hein. C'est impossible. Si on veut faire grimper le cardio, faire que du cardio pour du cardio, je peux, mais ça ne serait pas funky. Vous pouvez vous arrêter là. Allez, 4 fois pour les autres. 3. Et le U, rappelez-vous, le pas chassé, go. Allez, c'est reparti. En version, j'ai pas de place. En version, je veux pas perdre de poids. Allez, soufflez bien. Vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez vous arrêter là. Allez, je l'aime ce partage, cet engagement là ensemble. Dernière fois, rappelez-vous la suite. 4 dégagés. 1, 2, 3, 4 et genoux. 1, 2, 3 avec le sursaut. Hop, 2, 3, 4. Et en version 3, c'est jack. Let's go. Alors, je vais transformer un peu les choses là. Vous ne vous étonnez pas de la suite. Allez, tenez bon pour le moment. C'est de l'endurance, ça. Là, on dégrade. Hein. Ça chute de la calorie. Parfait. Pour ceux qui veulent s'arrêter, c'est maintenant. Pour les autres, encore un peu. Encore une fois. Alors, on aurait été censé faire
le dégager avec les genoux qui traversent. Et là, on va transformer un peu. Réguler. Les deux étapes qui viennent, c'est pour diversifier un peu. Souffler. Alors, on va composer trois niveaux. Vous pouvez prendre une partie de l'option 1, la mettre sur la 2 et inversement, vous allez choisir. On dégage. Niveau 1, dégagez droite derrière, dégagez bras droit devant. Gauche, droite. Niveau 1. Niveau 2, flexion avec ou sans les bras. Vous pouvez aussi faire juste ce travail-là ou faire ce travail-là. Ou faire ce travail-là. Et là, vous arrivez au niveau 3. Niveau 3, les bras, les jambes et jump. 3, 2, 1, c'est parti, go. Serrez les abdos, hein. C'est pas le bras qui monte. C'est pour ça qu'on l'a fait à l'échauffement. Sentez ce qui se passe, hein. Ça fait 10. On peut s'arrêter. Quatre, trois, deux, sursaut de récupération ou petit tap. Tout à l'heure, on a fait quatre sides et quatre genoux. On fait la même séquence, mais c'est non plus du 4-4, mais du 2-2. 1, 2, 1, 2, ou jack, jack, genou deux fois. 3, 2, 1, go. Ah ouais, ça va plus vite, hein. 1, 2, 1, 2. Si vous êtes plus confort sur le 4, prenez le temps de refaire les 4. Si vous avez besoin d'être moins en sursaut, posez vos appuis. 3 fois. 2 fois. Dernière fois, on marche en trottine ou genou athlétique. Je commence ce soir. Ok, ça commence à grimper un peu, coach. C'est pas un souci, vous pouvez faire ce travail-là. C'est trop cardio malgré tout. On pose. Régulez un petit peu. Personne ne vous en voudra. Niveau 2, petit footing. Et niveau 3, athlétique. Le talon sous la fesse. Et on remonte la pointe de pied. Allez, laissez pas les fesses partir en arrière. Serrez, serrez. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3. Soit vous briquez là, soit on repart. Go. Serrez ici, hein. Rappelez-vous le focus, abdos. Lâchez pas cette ceinture, ça fait 10. Pour ceux qui sont très athlétiques, là, sentez l'élasticité. Je compresse le ressort, je le lâche, je compresse, je le relâche. Allez, 4, 3, 2 side ou 2 jack et 2 genoux. Ah, je peux vous dire que c'est jackpot pour les calories. Hein. Ça va trop vite pour moi, mais je ne veux pas renoncer. Ok, je me contrôle, je gère. Bam, 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 bam. Oh, le gros kiff. Oh, le gros partage. Allez, deux fois pour tout le monde. Dernière fois, on marche, trottine ou athlétique. Dix secondes. Je suis bien. Même s'il y a un peu de fatigue, vous êtes bien. Vous savez que vous êtes bien. Vous voulez que vous soyez bien. La phrase qui n'a aucun sens. Vous sentez bien. 4, 3, 2, 1. On récupère. Marchez un peu avant de bûcher sur la bouteille d'eau. Check. Check. Je vous kiffe. Donc pour reprendre la dernière phrase qui voulait rien dire, c'est vous avez envie de bien faire. Et vous savez que vous en avez la capacité. Et ça, ça va transposer tout le reste. La fatigue, le faux ressenti, les fausses croyances. Les fausses croyances, ça nous tue. Déjà, des fois, il suffit juste de faire ce qu'on appelle la technique du switch qu'on a un peu fait ensemble. C'est juste, toc, inverser sa façon de penser. Mais on ne se l'autorise pas. Il suffit juste de poser les choses. Une respiration, un switch, et vous allez voir les choses différemment. Parce que les capacités, vous les avez tous, on les a tous. Mais notre pudeur, le système social, ça nous bride. Alors pourquoi nous? Pourquoi on aurait le droit de le faire? Pourquoi on oserait le faire? Non, 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 non. C'est l'inverse, justement. Si on est capable de faire, pourquoi ne pas le faire?
Allez, on va passer sur le sol. Deux possibilités. Pour ceux qui peuvent être en gainage, main ou avant-bras, on va faire le job en version 2 et 3. Pour ceux qui veulent absolument pas être en appui sur les mains ou les poignets ou les avant-bras, mettez-vous dans ce cas-là sur le dos. Ce que je veux bien, c'est le niveau 2 et 3 pour ne pas vous refroidir. Et pour commencer à stimuler les mêmes groupes musculaires, vous mettez bien en place avec nous. Tête au sol, bras le long du corps, jambes fléchies, les pieds plus ou moins serrés. Vous allez contenir vos abdos. Et pas forcément en allant très très loin, mais modérément, vous allez un petit peu incliner sur votre droite. Sentez que ce sont vos abdos qui prennent le relais. Inspirez, soufflez, mettez un cran ou deux crans de plus à la ceinture pour sentir les abdos qui drivent l'exercice et vous passez de l'autre côté. Voilà, ça c'est l'exercice. Version 1, je démarre ce soir. Pas forcément pour ceux qui ne veulent pas perdre de points. Si vous n'avez pas de problème particulier, vous pouvez faire la séquence suivante. Très bien. Je vais continuer là-dessus. Je vais faire juste l'exercice numéro 2, ce qu'on appelle twist. Vous allez tenter de lever un peu les fesses du sol. Vous allez bien garder les bras vers l'avant. Et d'ici, vous allez tourner les genoux vers la droite et vers la gauche en faisant vraiment un twist. Ce n'est pas un twist en vitesse, c'est un twist par la contraction de vos abdos. Donc c'est contract et on tourne. 1 et 2. Voilà. Donc ça sera l'exercice numéro 2. Pour le moment, vous êtes juste sur l'inclinaison à droite, à gauche. Alors maintenant, pour ceux qui peuvent être avec moi, on va partir à quatre pattes. Les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. Vous allez crocheter vos pieds dans le sol et vous allez essayer de garder à peu près entre les pieds le parallèle de votre bassin. Donc en gros, entre les pieds là, vous avez le même écart que votre bassin. Vous allez monter, vous allez essayer de rester en position et vous allez monter les genoux sur un côté. Les épaules restent là dans l'axe. Ici, vous montez par un levier de force au niveau des abdos, donc vous soufflez. On inspire, on souffle et dans l'expiration suivante, on twist de l'autre côté. Tournez pas les épaules et essayez de maintenir la ligne d'épaule. Vous affaissez pas avec la tête dans les épaules. Contenez tout le haut de votre corps. Vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez réajuster les pieds aussi. Et pour ceux qui le peuvent, encore 5, 4, 2 fois, dernière fois, et on relâche. Parfait, effectuez un petit break. Je ne sais pas vous, mais il y a un microclimat là. Expirez bien. L'exercice numéro 2 pour ceux qui sont sur le dos, c'est celui que l'on a fait voir tout à l'heure. Vos genoux qui tournent à droite, à gauche, c'est le twist pour vous. Pour nous, ça va être un autre twist. On va se placer sur les avant-bras. On va essayer de garder les pieds plus ou moins serrés. Et cette fois, c'est la hanche gauche. On va incliner la hanche gauche vers le sol. On inspire en bas. On souffle sur la trajectoire opposée. On inspire. Et on souffle. Alors, essayez dans l'exercice de préserver le maintien du bassin. Il ne faut pas vous écrouler au niveau du bassin. Sinon, vous allez travailler surtout au niveau de lombaire. Pour aller stimuler les abdos, il faut que les fesses soient relevées, là. Et c'est vraiment de sentir le transfert. Allez. Alors, ce n'est pas tant l'inclinaison qui compte. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez descendre jusqu'au sol que ça va être plus profitable. C'est la qualité, le ressenti que vous allez éprouver dans l'exécution. Vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui le peuvent, encore 4. 3. N'allez pas vite, hein, jusqu'au bout. Oui, c'est contraignant. Oui, c'est difficile. Et là, on relâche. Mais là encore, c'est une question de capacité, hein, à gérer l'effort dans sa durée. Avec efficacité. Je reviens pour les amis qui sont sur le dos ou pour ceux qui étaient de face et qui voudraient un truc un peu plus light. Mettez-vous ici, tête au sol, du balking. Venez appuyer avec le plat du pied comme si vous pressiez quelque chose. Option 2, les mains dans la tête, vous levez les épaules. Ou alors, pour ceux qui le peuvent, climbers 3,
2, 1, clean burst sans impact ou un peu plus rapide. Allez, go. Cinq, quatre, trois, deux, un, relax. Soit vous faites l'impasse sur la séquence qui vient, soit on la refait deux fois. Attention, quand vous effectuez les climbers, soyez pas brut, hein, ne faites pas ça au niveau des épaules. Non, tout ça c'est relativement stable, c'est contenu, c'est maintenu. Et au niveau de la ligne d'épaule, vous enfermez pas avec la tête dans les épaules. Essayez de sentir votre ligne là, vraiment au niveau des omoplates, au niveau des omoplates, des clavicules, tout est stable. Prêt, 3, 2, 1, go. Allez, je domine la pression sur le sol par les mains. Mon pied est dynamique, il épouse le sol, il repart. 5, 4, 3, 2, 1, relax. Ceux qui ont fait un bac, on est avec nous. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Cinq, quatre, trois, deux, un, et on relâche. Allez. J'aurais encore souhaité faire une séquence cardio debout, mais vu l'heure qu'il est malheureusement, on va considérer que le cardio, on vient de le faire. Je vous invite à partir sur le dos. Posez pour le moment les pieds à plat sur le sol, les mains à la tête, trajectoire verticale, ça part des abdos, ça contracte, ça élève, je souffle. Et je retiens. Allez, c'est parti. Soit par cycle de 5 en soufflant, soit une fois jusqu'à 10 et en inspirant au terme des 10. Inspirez. Parfait. La prochaine, vous refaites exactement la même chose, 10, mais vous redescendez un tout petit peu moins bas. Go. Parfait, contenez bien. Je vous propose de faire ça une dernière fois, inspirez. Et on repart, go. Essayez de sentir hein, qu'à aucun moment vous n'accélérez ou vous ne lancez. Des fois, on peut partir sur autre chose, on peut penser à autre chose. Et puis, on s'aperçoit qu'on est là. On rebondit mécaniquement. Non, n'oubliez pas cette conscience jusqu'au bout. Stop. Alors, c'est très simple. Vous allez partir sur le dos maintenant, niveau 1. Vous pouvez le faire avec tête au sol, encore une fois, les bras le long du corps. Et vous allez effectuer des cercles. Voilà, essayez de sentir que les genoux passent sur le côté, puis se rapprochent vers la poitrine par la contraction des abdos, puis vous freinez le retour et vous enchaînez comme ça, ainsi de suite, des boucles. Alors, le truc à ne pas faire, c'est ça. Faciliter le travail par de la prise d'élan. Ça, c'est voilà. Soit vous le faites avec les épaules relevées, vous allez être un peu plus en instabilité, donc beaucoup plus focus sur la contraction des abdos, soit vous partez avec les jambes plus tendues et vous faites la même chose avec des cercles modérés. Allez, essayez de sentir que vous soufflez plutôt quand tes genoux passent. Enfin, les pieds passent à la plombe des pecs, là, de la poitrine. Deux fois. Parfait. Maintenant, vous êtes ici. Vous ramenez les genoux vers la poitrine, vous levez les épaules vers le haut. Ou alors, vous faites avec les jambes tendues. Hop. C'est un peu la continuité de ce que l'on a fait l'autre soir. Allez, freinez-moi ce geste pour ne laisser que le levier musculaire s'exercer. S'il y a une prise de vitesse quelconque, c'est qu'on a tronqué l'exercice. Parfait, repartez avec les cercles dans l'autre sens. Ce ne sont que vos muscles qui doivent s'exprimer. La facilité n'existe plus. Par contre, ça va faciliter la progression, ça c'est certain. Allez. Jusqu'au bout, 3, 2, là vous aurez des abdos qui répondront à tout. Là. En termes de galbe, de maintien, de stabilité, de ventre plat, on remonte les épaules, soit vous restez sur des séquences de 5, de 10, ou on va jusqu'à 20. Allez, c'est parti. Voilà, pendant que vous êtes lancé là, on remet un cran de plus à la ceinture, on vérifie son périnée, on souffle, et lorsqu'on souffle, on sent la cage thoracique qui descend, qui s'abaisse vers le bassin.
Et nous, on régule l'amplitude pour plus aller jusqu'au sol. On contient notre trajectoire qui est verticale. 10, 11. Parfait, vous stoppez. Pour le niveau 1, vous allez partir en appui sur les talons, si vous pouvez. Vous allez lever le genou gauche, et quand le genou gauche vient, vous allez mettre le bras droit à l'extérieur, comme si on mettait un coup de hache. On tourne les épaules. Je parle en mode bûcheron, hein, toujours. On vient ici, vraiment ici, hop, on revient, et on switch. Allez. Voilà, par la contraction des abdos. Niveau 2, vous partez les jambes fléchies ici, et vous faites ici, hop, le coup du samouraï droite, gauche. On essaie de bien contracter. Niveau 3, bah, les jambes à la verticale. On part de derrière, on ouvre légèrement le travail au niveau des hanches, et on vient ici, assis sur le côté. Allez. C'est l'exercice du maillet. Oh, c'est avec un maillet. Autant pour moi, je parlais de hache, mais c'est de maillet dont il est question. Accessoire de fitness d'ailleurs. Ah, ça fait 10, on peut faire un break, soit on continue encore un peu. Allez, montez les épaules dans une trajectoire verticale. Hein. Encore 6. Dernière fois, prenez le temps quand vous descendez sur le sol. Replacez les mains dans la tête. Série de 5, série de 10, série de 20. Alors, j'ai un peu dépassé l'horaire. Il va nous rester les deux mêmes exercices, si vous voulez bien. Allez, continuez à rester avec vraiment une trajectoire verticale. 17, 18. On revient avec l'hache, le maillet, pardon. Droite, gauche, ou les deux jambes fléchies, ou les deux jambes tendues. Allez, go. Si ça tire de trop dans les cervicales, vous pouvez revenir sur une option un peu plus cool. Hein. Quatre dernières, les amis. Encore deux. Dernière fois, on revient. Allez, une dernière série de 10, une série de 20, voire un peu plus, c'est la fin, promis, juré. Allez. On mise sur l'élasticité, on mise sur la verticale et on essaie de bien sentir transverse et cage thoracique. Ça fait 10, vous pouvez vous arrêter là. Décollez bien le menton. Ça fait 20, vous pouvez stopper. Ça fait 30, vous pouvez vous arrêter ou alors on finit encore. Allez, si vous pouvez les 10 dernières, 7, 6, 5, aucune accélération jusqu'au bout. Rappelez-vous, c'est vous le pilote. 3, 2, 1, et relax. Parfait. Un grand bravo et un grand merci à tous. Ça passe trop vite. Hein. J'aurais bien fait encore un tout petit peu de cardio, mais le temps était joué, donc c'était difficile. J'espère que vous avez ressenti monter un peu l'intensité pour chuter les calories. Et puis, vous avez bien senti surtout le travail au niveau de la sangle abdominale derrière. Merci pour tout. Merci pour la régularité. Merci pour l'engagement. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve mercredi pour la prochaine séance. Bonne soirée à tous. Salut.